Ces mots d'un sens à un pays et maillot de l'Altaro qui doit s'y trouver un musée et de la résistance à Gorza. Nous scoprirons avec le conservatore Sylvain Grégory et nous parlerons de nous des festivités en gira l'80 ans de la libération de la Gorziga qui est en sens. Dal 38 al 43, i resistenti gorzi si sono opposti agli italiani. È ciò che dimostra il Museo di Zonza. Ma il luogo prova a portare un altro sguardo nella maniera di campare a guerra in l'isola. Par exemple, les femmes récupéraient les parachutes et s'en servaient pour faire des vêtements aussi. Est-ce que ça, tu le savais ou pas? Vous, vous en avez entendu parler avant? Non. Donc tout ça montre qu'est-ce qu'était l'occupation en Corse. Donc vous allez avoir ici, par exemple, une louche. Donc ça peut vous faire sourire aujourd'hui, je peux le comprendre. C'est une louche qui permettait de rationner le lait, par exemple, pour les enfants. J'ai beaucoup aimé et ça m'a donné presque l'envie de plus découvrir de la Corse et de plus connaître comment on fait les résistants pour sortir de l'invasion qu'avaient subie par les Italiens et les nazis. Ça change des cours. Par exemple, les cours, on a juste des photos ou quoi. Alors qu'ici, on peut voir vraiment les tenues d'époque, les objets d'époque aussi. Donc, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui t'a marqué Les résistants corses, parce qu'ils avaient vraiment du courage pour faire ça. Surtout les jeunes qui avaient à peu près notre âge et qui se sont sacrifiés pour les autres. Donc... C'est touchant presque. Monsieur Grégory, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à Zonza. On va parler en premier lieu de l'occupation italienne de la Corse. Comment s'est opérée cette occupation? Est-ce que les Corses s'attendaient à voir débarquer 80 000 Italiens? Alors, ils s'y attendaient d'une certaine façon, puisque depuis la fin de l'année 1938-1939, il y a une grande peur qui va apparaître dans l'opinion publique insulaire, celle d'une annexion italienne. Par contre, ça a des conséquences à la fois symboliques et matérielles. Symbolique, c'est parce que, à cette époque-là, pour la population, c'est une annexion de fait à l'Italie. Donc ça a vraiment un retentissement, on va dire, très fort au niveau de l'imaginaire. Le deuxième point, c'est que matériellement, c'est 80 000 hommes qui arrivent. C'est une surcharge démographique dans une île qui connaît les pénuries alimentaires, hein, comme tout le reste de l'Europe, mais qui est aussi de plus en plus isolée par rapport à l'extérieur. Donc on a un ravitaillement qui est en train de devenir de plus en plus précaire. Pour autant, il y a quand même un revirement de situation avec ces Italiens, on va le voir dans la pièce à côté, notamment après la chute de Benito Mussolini, eh bien, l'occupation devient... quand même différentes et les relations entre Corse et Italiens évoluent. Alors, l'occupation va devenir différente, exacte, après la chute de Benito Mussolini, puisqu'on a une répression qui va s'accroître. Et paradoxalement, on a un flottement aussi dans l'armée italienne et ce rapprochement entre occupants et occupés qui va s'accentuer parce que tout le monde a très bien compris que l'Italie allait sortir de la guerre et que la libération était quelque chose qui allait intervenir dans les mois, voire dans les semaines qui viennent en cet été 1943. Quel rôle a joué l'Alta Rocca dans cette résistance? En tout cas, le territoire et les résistants originaires de l'Alta Rocca. Alors l'Alta Rocca, c'est vraiment une micro-région qui synthétise toute la diversité de cette résistance corse à travers les grandes figures que l'on connaît. Jean Nigol, qui illustre la résistance communiste et surtout la résistance de ses instituteurs, qui sont très nombreux dans les rangs du Front National. On a aussi cette résistance assez précoce, anti-italienne, portée par les militaires, hein, avec l'incarnation du commandant François Pietri. On a enfin la figure de Dominique Lucchini, Ribeiro, qui incarne cette résistance plus enracinée dans le terroir, à l'Ouzougorso, et qui matérialise aussi cette autre facette du phénomène résistant. On est également dans une région qui est très boisée, très montagneuse, donc qui est propice à des regroupements d'hommes armés dans le maquis et qui est difficilement aussi contrôlable pour les mêmes raisons par l'occupant, d'autant plus que le réseau routier est très limité. Donc l'Alta Rocca synthétise vraiment toute cette diversité de la résistance qu'on a voulu aussi matérialiser dans ce musée. 10 items corsi, un mare di cueva mi di resistente, festività sono stati tenuti in sonza, importanti.
importante per la comuna. Era una periodo di unità di Corsica che è formidevole. E noi, politica da nostra comuna e di fare di suo museo che adesso ha grandito e di fare un patrimonio per la nostra comuna e perché vengono tutti i liceani di Corsica a vedere il nostro museo e imparare un po' la periodo critica che è stata la guerra. Il museo di Zonza Duari è s'agrandito si può ganni. Una maniera di rimettere su Rudion Aso, piazza di Puntedo di Resistenza Gurza.